Des dizaines d'habitations et des magasins construits sur les emprises du projet du métro ont été démolis dans le quartier Sagbé d'Abobo, ou derrière rail. Cette opération s'est déroulée tôt le matin, en présence de nombreux éléments des forces de défense et de sécurité, déployés sur le site pour contrer d'éventuels débordements. Comme rapporté à Ivoire TV5, cette opération s'est effectuée dans le calme, et sans heurts, car les populations qui occupaient les habitations qui devaient être détruites, n'ont posé aucune résistance. Selon les informations en notre possession, tous les propriétaires des bâtisses concernées par cette opération d'envergure, ont été dédommagés quelques jours plus tôt. Par ailleurs, nous apprenions que, certains de ces propriétaires ont malheureusement joué de ruse alors qu'ils ont reçu leur pécule. Ils ont mis en location leurs habitations après leur départ, parce qu'ils étaient convaincus que cette opération n'aurait jamais lieu. Aujourd'hui, ces nouveaux locataires avaient leurs yeux pour pleurer. Ils étaient obligés de sortir à la hâte leurs bagages dans ces habitations précaires, avant que les bulldozers ne rentrent en action. Ainsi, à partir de l'école primaire Bad, située juste après les rails, toutes les maisons construites sur les emprises du projet ont été démolies, jusqu'à la clôture de la forêt du Banco. Les magasins situés également en bordure de route, ont été également détruits, comme constaté cette soirée par Ivoire TV5. Cette opération se poursuivra ce lundi. Deux immeubles encore habités par des locataires, seront détruits. Les locataires doivent quitter les lieux au plus tard, ce lundi.